Salut les Vikings, j'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, je suis à la caserne. On va se faire une petite séance biceps pour vous faire progresser au niveau des bras. Les biceps, c'est vraiment important. Sur un bras, ça fait la différence. Donc, je vais vous faire progresser pour avoir des gros biceps. C'est parti. Alors, premier exercice, dumbbell curl debout. Important de travailler la partie excentrique. Donc, je veux que vous reteniez un maximum la descente lorsque vous exécutez ce mouvement. On prend à peu près 1 minute 15 de récupération. On part sur 15 reps, 12 reps, 10 reps. Allez. Travailler la partie excentrique, très important pour faire de la belle fibre musculaire. C'est avec ça que vous allez progresser. Mouvement, toujours avec des haltères, on va passer sur un spider curl avec haltères. Pour ça, un banc que vous inclinez pour être calé. L'objectif, c'est que vous allez poser vraiment votre tronc ici et avoir les bras vraiment libres pour vraiment gérer la contraction du muscle. Cette fois, on va travailler dans la partie concentrique, la partie positive, c'est-à-dire la partie où vous allez rester contracté. Donc, cette fois, on va bloquer à peu près 2 secondes dans la partie haute du mouvement. On part sur 12 reps, ensuite 10 répétitions et ensuite 8 répétitions. Alors, c'est vraiment important de bien garder un angle 90 entre votre tronc et votre bras. Il faut qu'ici, vous ayez l'angle à 90 lorsque vous poussez et on bloque la contraction. Environ 2 secondes. On relâche et on bloque. C'est vraiment important quand vous faites les biceps de vraiment penser à... aux biceps, ok? L'image mentale est très importante. Je vois des gens à la salle des fois qui font des trucs, ils usent plus leurs épaules que leurs biceps en faisant des espèces de rotations pour faire travailler. Pensez biceps, pensez vraiment avoir une belle contraction. Pensez vraiment, lorsque vous êtes debout comme tout à l'heure, à vraiment bien verrouiller vos bras pour travailler sur la partie biceps. Pas se laisser emporter. Donc là, sur le spider curl, faites vraiment attention de ne pas vous laisser emporter et de lever le bras pour travailler vos épaules pour compenser. N'ayez pas peur de prendre léger pour vraiment faire un mouvement de qualité, pour avoir un muscle de qualité. Ok ? Donc c'est parti. 12 reps, 2 secondes en haut. Du muscle. On prend sur ce genre de mouvement, pareil, entre 1 minute 15 et 1 minute 30, 45 de récupération. C'est parti, 10 répétitions.
pour les 8 dernières répétitions qui me restent. Je vais prendre plus lourd. Généralement, plus les répétitions sont longues, plus vous prenez léger, plus les répétitions sont courtes, plus vous prenez lourd. Donc lorsque vous faites des séries avec des variantes, commencez par 12 répétitions à un certain poids, 10 répétitions, peut-être un poids plus lourd, mais si vous étiez bien, peut-être garder le même poids, ça vous évitera d'arriver à l'échec. Et ensuite, 8 répétitions, j'étais vraiment à l'aise, donc je vais augmenter, je vais passer à 12 kg pour les 8 dernières années. Bon, chez nous, les salles ont été, la fermeture des salles a été prolongée d'encore 15 jours. Donc c'est compliqué, moi j'ai la chance d'avoir la salle à la caserne, la salle chez moi. Dites-moi un peu en commentaire comment ça se passe chez vous, si c'est la galère comme chez nous. L'avantage de la séance que je vous donne, si vous avez une paire d'haltères chez vous, vous pouvez très bien réussir à faire tous les mouvements que je vais vous donner pour avoir des gros biceps. C'est un point positif. Des fois, avec simplement quelques haltères, on arrive à bien s'entraîner. Donc n'hésitez pas à vous procurer du matos. On ne sait jamais si les ferment plus longtemps, ça peut vraiment vous servir. De mes séries, on va passer sur un nouveau mouvement. Mouvement suivant qui sera le dernier mouvement pour tout ce que je vous donne, on part sur un superset. Donc le premier mouvement, ça va être dumbbell curl assis dans la partie haute avec un repos total dans la partie excentrique. Donc je vais vous montrer le mouvement. Donc, vraiment vous relâchez, on part de zéro, partie haute. Pensez sur ce mouvement à vraiment avoir les bras légèrement en avant et plaqués sur votre tronc. Pas trop derrière et pas trop devant non plus, vraiment voilà. Position naturelle, vous plaquez vos bras pour vraiment bien être verrouillé et focus biceps. Ensuite on part sur 10 répétitions sur ce mouvement là, donc je vous montre une fois, vous pouvez prendre un peu lourd sur ce genre de mouvement et vous enchaînez directement debout, toujours en prise neutre, prise marteau, mouvement complet cette fois. À fond dans la partie excentrique et à fond dans la partie concentrique. Et cette fois, 10 répétitions aussi. Donc 3 fois 10, 10, 10. Récupération, 10, 10, ainsi de suite. Allez, c'est parti. À être légèrement serré comme ceci, prenez pas trop large, prenez pas sur le côté, restez serré et pareil, un mouvement de qualité. Ok, un peu comme ce que vous voyez comme outil que vous mettez derrière pour vraiment avoir beaucoup de plaqué pour pas tricher. Voilà, c'est pareil, ne trichez pas à balancer vos bras. Ok, on verrouille et on reste focus sur nos biceps, c'est ça qu'on travaille. Comme si vous étiez au câble avec une corde. Vous êtes serré et vous montez. Presque exactement la même chose, on essaie de reproduire ce mouvement-là avec des haltères. Je vous assure, vous avez une congestion au niveau des biceps qui est phénoménale.
simple de biceps, très bon pour vous faire progresser, évoluer. Vous pouvez modifier vos temps de récup, ça modifiera votre séance et surtout les poids que vous allez mettre. Si vous prenez plus de récupération, vous allez prendre certainement plus lourd, adapté. Moi, j'aime bien m'entraîner sur 1 minute 15 de récupération car je ne cherche plus forcément à évoluer, je cherche simplement à me maintenir. Vous pouvez faire cette petite variante. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous servira. Vous pouvez très bien le faire chez vous, dans votre caserne, dans votre salle de musculation. Travailler aux haltères, c'est très bon. J'espère que grâce à ça, vous allez réussir à avoir des gros biceps, des beaux biceps découpés à la hache. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire les muscles que vous voulez qu'on travaille, là où vous voulez progresser et surtout si cette vidéo vous a plu. Likez au maximum. Sur ce, on va passer sur un autre muscle. Je veux que ça envoie du lourd. Ah!